D'abord, j'ai un nom prédestiné, Jean-Luc Thunevin. Thunevin, ça veut dire thune, l'argent, et vin, le vin. Dans le même nom, j'ai l'argent et le vin, c'est incroyable. Et j'ai toujours pas d'argent, mais j'ai vraiment le vin, là, vraiment beaucoup. Donc, on a créé Valandro. Valandro, c'est son nom. Muriel Andro. Vallée, la vallée de Andro. C'est moi qui ai inventé le nom. Donc, Valandro nous a fait connaître, puisque dès le premier millésime, on est vendu plus cher que les premiers crus, et le vin était mieux noté par Parker que tout le monde. Bon. Et les autres journalistes aussi. Et Parker, depuis le départ, il dit, à propos de moi, c'est le bad boy de Bordeaux. C'est le mouton noir de Bordeaux. C'est lui qui est responsable de tout, le garagiste. Et donc, il était obligatoire, à un moment donné, de faire une cuvée qui rappelle cette histoire. Et c'est pour ça qu'on a inventé bad boy, avec le mot bad boy, bien sûr, le mot garage et le mouton noir. Voilà. Et c'est un Bordeaux qui se vend partout. C'est pas du tout typique de l'étiquette d'un Bordeaux avec le château. Mais ça marche très 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 bien partout, même dans les grands restaurants étoilés à Paris. Par exemple, le pavillon Le Doyen est un gros client de ça. Voilà. C'est un bon vin qui amuse tout le monde parce que le nom est rigolo. Et quand les gens ils l'achètent, ils voient que ce n'est pas que du marketing. Derrière, il y a un très grand vin puisque Béthane et De Sauve donc, le mettent comme étant le meilleur vin de Bordeaux dans l'appellation Bordeaux, hein, qui n'a rien à voir avec les grandes appellations. Voilà. Alors là, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Comme j'ai gagné beaucoup d'argent à Bordeaux, j'ai dit comment pouvoir perdre un peu d'argent. Il faut perdre de l'argent, on ne peut pas gagner tout le temps. Donc j'ai acheté une propriété avec un associé dans le sud de la France, dans le Roussillon. Et nous faisons toute une gamme qui s'appelle Thunevin Calvé ou Calvé Thunevin. Thunevin Calvé. Donc c'est dans le Roussillon, c'est à côté de Perpignan, le centre du monde pour Dali. Hein. Donc le coin, c'est très très beau, très romantique comme lieu. Les paysages sont extraordinaires, la nature est très sauvage. On est dans le sud Méditerranée, à côté de Barcelone, donc pas très loin de Barcelone. Les cépages, c'est le cépage du sud, Grenache, Carignan, Syrah, Mourvèdre. Là, le vin que j'ai amené, c'est un vin qui ressemble à un grand Porto. Alors pourquoi j'ai pensé pour le Brésil? Parce qu'en fait, le Brésil connaît le Porto, bien entendu, par obligation. Mais c'est le concurrent dans le monde du Porto. C'est plus petit, c'est les mêmes méthodes, Grenache, muté avec un peu d'alcool et c'est l'alternative au Porto. C'est remarquable avec le dessert au chocolat. Donc c'est un mariage obligatoire au Brésil entre le cacao et Mori. Voilà. Mais c'est délicieux pour la gastronomie, vraiment. Alors, comme tout mauvais élève, comme tout gauchiste un petit peu, comme tout un peu révolutionnaire, il aime bien rentrer dans le rang et devenir un jour noble. Hein, je ne suis pas né noble, je ne suis pas né riche, donc je veux devenir riche et je veux devenir noble. Donc en fait, quand on a créé Valandro, on était entre parenthèses, vin de garage, petit vin, sans histoire. Et là, la chance de Saint-Emilion, c'est qu'il y a un classement tous les 10 ans. Et moi, j'accepte ce classement et l'énergie que ça donne à la région de notre appellation, puisque tous les 10 ans, on redistribue les cartes et on peut donner un statut différent à quelqu'un qui était pauvre ou qui n'était pas connu et devenir connu et reconnu comme le permet le classement de Saint-Emilion. En 2006, on l'a présenté, on n'a pas été élu parce que trop jeune, mais en 2012, là, formidable, nouveau classement, j'ai présenté le dossier, j'étais un des rares à y croire. Nous sommes passés en premier passage, refusé pour premier cru, accepté pour grand cru, c'est déjà pas mal, et j'ai envoyé ma femme avec mon œnologue pour défendre notre histoire, parce que moi je partais au Japon, et c'était un peu organisé, pour qu'elle aille dire, nous ne sommes pas une multinationale, nous ne sommes pas Rothschild. Hein.
Mais nous, c'est une propriété à nous, et si vous ne nous classez pas, ce n'est pas normal, parce que nous, c'est notre vie, et nous sommes aujourd'hui l'un des leaders mondiaux. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas classé. On a accepté les contraintes du classement, et la commission de classement, le deuxième coup, a dit « Ok, Valandro, premier grand prix classé, direct, parce que c'est ça l'histoire, direct, du garage, du caniveau, d'en bas, nous sommes aujourd'hui premier cru, grâce à notre travail, notre histoire, nos clients, les médias, et notre énergie, et grâce à Saint-Emilion. » Et ça, c'est une histoire merveilleuse, puisqu'en fait, ce n'était jamais, jamais arrivé que quelqu'un comme ça, d'un seul coup, paf, en 20 ans, arrive à ce statut. C'est très, très bon pour nous, et surtout pour les banquiers qui nous prêtent de l'argent, parce que maintenant, ils ont confiance. Voilà. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more? With pleasure. Back to one! Okay, back to one, guys. Everybody, quiet, please. Everybody back to one. Let's get ready to do it.